Konnichiwa, Gannen Nigadin, c'est Massa, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour la petite revue de Xur, en fait la dernière revue de Xur de cette saison 18. Je suis désolé, hein, cette vidéo va sortir un peu plus tard que d'habitude parce que j'ai eu une contrainte. Hein, je vous remercie d'avance pour votre compréhension. Et donc on va se retrouver, comme je disais, pour la dernière vidéo de la revue de Xur. Et pour ce faire, on va se rendre donc à la ZME et à la crique sinueuse. Et le temps d'arriver sur place, on voit ça ensemble. Voilà, comme d'habitude, je vais laisser volontairement le chemin en entier pour les personnes qui débuteraient sur le jeu et qui ne sauraient pas exactement où se trouve Xur dans ce cas-là. Donc on va passer par ici, par la petite allée qui se trouve ici. Si mon passereau veut bien monter, sinon on va y aller directement comme ça. Et vous pouvez prendre comme point de repère cette petite caisse et vous sauter juste en face. Vous aurez éventuellement peut-être un ou deux mobs à faire à la sortie de ce tunnel, mais rien de bien sérieux et de bien embêtant. Voilà, c'est tout dégagé. Donc pour rappel, hein, tout ce que vous allez voir dans cette vidéo va être valable donc du 2 décembre jusqu'au 6 décembre 18h. Et encore, quand je dis 18h, normalement ça sera à partir de 16h que ce sera plus disponible puisque les serveurs seront maintenus. Allez, sans plus attendre, donc on va commencer par l'arme hein, qui est le Cerberus. Alors le Cerberus a la particularité en fait en automatique de tirer 4 munitions en même temps, donc c'est vraiment très particulier et ça a une conséquence au niveau du DPS qui est pas trop mal non plus. Alors normalement il n'est pas beaucoup utilisé ces derniers temps, mais qui sait, ça pourrait changer. Là je pense que comme vous avez pu le voir, il y a vraiment une erreur à ce niveau-ci, mais c'est pas tout à fait le cas puisque ça correspond en fait au niveau des canons qui ont des caractéristiques différentes. Voilà le pourquoi du comment. Alors maintenant au niveau des exotiques, on a donc la couronne du tempête qui est utilisée par les chasseurs en fait et qui leur permet de récupérer en fait des points de vie lorsqu'ils font leur esquive principalement. On a avec des stats qui sont pas oufissimes comme vous pouvez le voir, donc avec 14 de mobilité, 12 de force et puis on va dire 11 de récupération. Les stats sont vraiment très homogènes, par contre prenez-le si vous avez besoin de le débloquer pour pouvoir le looter avec de meilleures stats en secteur oublié ou autre par la suite. En ce qui concerne le titan, on a les grèves de pèlerins. En fait les grèves de pèlerins s'utilisent principalement avec le coup d'épaule et surtout lorsque vous sautez, donc vous sautez et vous donnez un coup d'épaule, ça permet d'avoir beaucoup plus de dégâts et d'efficacité dans ce cas-là. Par contre là on l'a avec des stats qui sont plutôt très très bien et très honorables avec 17 de résistance, 13 de récupération mais surtout 20 de force. N'oubliez pas c'est des bottes qui sont cryoélectriques. Alors pour la petite astuce pour ceux qui ne la connaîtraient pas, il faut que vous mettiez en fait ce mode, il faut que vous mettiez ce mode-ci qui va vous donner plus 20 de force, donc vous allez pouvoir passer à 40 au niveau de la force. Et après, il faudra que vous appliquiez un mode cryoélectrique. Il faudra ces deux modes-là pour que ce soit appliqué. Et dans ces cas-là, vous aurez 20 de force supplémentaires. Donc vous passerez au total sans le masterwork à 84 dans ce cas-là. Et c'est plutôt intéressant d'avoir plus de force pour ces bottes. Donc honnêtement, là, je vous les conseille. Hein, vu les stats qui sont proposés, vous pouvez y aller. Et enfin, au niveau de l'arcaniste, on a le crâne de désespoir d'Amkara qui est utilisé avec la bombe Nova, donc la doctrine abyssale. On l'a avec des stats qui sont assez homogènes également. On aurait peut-être préféré avoir un peu plus de résistance et moins de mobilité dans ce cas-là, et moins de force et pour le moins, et plus de discipline. Maintenant, vous pouvez toujours le prendre hein, pour le débloquer, pour le relooter par la suite avec de meilleurs perks. Hein, si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il reste quand même meilleur que la couronne de verre, du chasseur qui est proposé. Voilà, ça va être tout pour les exotiques. On a bien sûr le rapace noir mais qui est proposé avec visée rapide, c'est pas réellement ce qu'on cherche dessus. D'autant plus que le canon on peut avoir bien mieux dessus, donc je vous le conseille pas particulièrement. Et au niveau du récit d'un homme mort, on recherchera plutôt avoir Vorpal plutôt que Vent Meurtrier, donc pareil je vous le conseille pas particulièrement non plus. Au niveau de l'engramme exotique, je vous renvoie vers le petit tutoriel que j'avais fait là-dessus, vous saurez tout pour l'engramme prédestiné pour les joueurs débutants bien sûr. Et on va bien sûr à partir de ce moment-là passer à la partie légendaire. Alors au niveau des armes, on a le Vule Pécula hein, qui est un revolver 180 stasique avec encore et pierre tombale. Par contre pour le reste, je le trouve pas oufissime. Personnellement, je préférerais celui que je possède hein, qui est celui-ci.
Avec plutôt donc hors-la-loi pierre tombale, hein, vous avez le choix après avec munitions de précision ou chargeur tactile et frein tête de flèche ou canon allongé. Il sera de bien meilleure facture celui-ci que celui qui est proposé par Xur ce week-end. Au niveau des adieux, on pourra avoir quelque chose qui pourrait être pour le PVP, donc avec chargeur mortel, rétrécissement visuel. On a donc munitions de précision pour augmenter la portée. Les personnes sur PC resteront avec rainurage et l'écoïdal. Les personnes sur console prendront peut-être plus canon à canure pour avoir plus de maniement dans ce cas-là. Donc concernant le ceste sanguin, très bon pistolet mitrailleur en fonction des percs qu'on a. Là, on a quelque chose qui va être un peu plus orienté de toute façon PVP, mais qui va pas forcément être génial non plus, parce qu'on va pas avoir énormément de portée, donc avec le surplus et détente facile. Personnellement, je préférais plutôt l'une des deux que je possède, qui serait soit celle-ci. Donc avec subsistance, frénésie, donc soit un chargeur tactique ou un chargeur d'appoint en fonction. Un canon rainurage hélicoïdal, ou alors encore mieux pour des activités d'un peu plus haut niveau. Toujours un frénésie, mais avec débordement et donc munitions de précision pour avoir un maximum de portée. Vous voyez, on augmente la portée à 72 d'ailleurs parce qu'on a une pièce maîtresse également de portée. Et un canon à rainurage forgé qui vous augmente la portée sans vous donner de malus au niveau des autres percs. Donc plutôt très très bon dans cette configuration-là. Au niveau du frastésique, il aurait pu être pas trop mal, je pense. Ouais, ça aurait pas été le gold roll, mais si on avait eu ici premier tir au lieu de battage, donc avec saisie éclair, munitions de précision, canon rétréci est pas forcément le meilleur canon, mais c'est pas le pire non plus, ça aurait été quelque chose qui aurait été tout à fait correct. Là, effectivement, avec le battage, ça va pas être génial. Bon, bien sûr, il y aurait eu une orientation PVP dans ce cas-là, mais ça aurait été plutôt pas mal. En ce qui concerne le sniper, bah pareil, on a encore battage, donc ça va pas être génial du tout, donc avec. Or en plomb battage, pour le reste c'était pas trop mal, mais battage va pas être génial du tout. Au niveau de la guillotine actionnée, on n'a pas forcément les percs qu'on s'attend à avoir, hein, donc personnellement je vous conseille plutôt une guillotine actionnée de ce type-ci. Donc avec lame à tourbillon, frappe cadencée, on a bien sûr la garde du maître d'armes et surtout le tranchant dentelé. Donc si vous avez ces 4 percs là, donc là vous avez vraiment un gold roll au niveau de cette épée qui en vaut vraiment le coup avec cette configuration là. Et enfin au niveau du fusil d'impulsion avec surveillance cardiaque et démolisseur, non pareil, ça va pas être du tout génial. On peut avoir bien mieux pour éventuellement vous pourriez avoir donc le Vulpecula et puis les adieux. C'est les deux meilleurs hein, qui sont à l'heure actuelle proposés chez Xur ce week-end. Et on va bien sûr passer au niveau des armures et on va commencer par celle de l'arcaniste. Alors en ce qui concerne l'arcaniste, on a des bras qui seront avec beaucoup trop de mobilité à mon goût et pas assez de résistance. Le torse pourrait être pas trop mal même s'il a trop de mobilité comme vous pouvez le voir. Mais bon, 16 de résistance, 16 de discipline pour un total de 62, c'est acceptable. Le casque, non, pareil, il manquera beaucoup trop de résistance. Les bottes seraient éventuellement correctes, alors pour les débutants, hein, parce que certes vous avez un total de 59, mais vous avez quand même 24 de résistance et 16 d'intelligence, ce qui peut être pas trop mal. Donc je dirais les bottes et puis ce torse, ce seraient les deux meilleures pièces hein, qui seraient proposées chez l'arcaniste ce week-end par Xur. Et on va bien sûr passer au niveau du titan pour voir s'il y a des choses intéressantes à nous vendre également. Donc en ce qui concerne le titan, on a des bras qui seront beaucoup trop faibles avec donc 12 de résistance, 20 d'intelligence pour un total de 57. On a un torse lui par contre qui pourrait être plutôt pas mal même si j'aurais préféré avoir moins de mobilité. Mais bon, on a quand même 14 de résistance et surtout 21 de force et 10 d'intelligence pour un total de 65. C'est plutôt très très bien. Le casque sera un peu plus en retrait mais pourquoi pas éventuellement si vous cherchez de la mobilité et de l'intelligence. Mais bon, il va vous manquer quand même pas mal de résistance. Et les bottes sont pas officielles non plus, beaucoup trop homogènes. Par contre, retenez bien ce torse, à mon avis, c'est la meilleure pièce qui est proposée chez Xur ce week-end pour le titan. Et on va bien sûr finir avec le chasseur. Et donc pour le chasseur, on a des bras qui seraient pas trop mal, même s'il manquerait un petit peu de résistance. Donc avec 13 de mobilité, 16 de récupération, 14 de discipline, 15 d'intelligence pour un total de 62. Le torse sera beaucoup trop bas à mon goût. Malgré le fait qu'il ait quand même de la mobilité, donc pour les débutants pourquoi pas, mais il va manquer de résistance.
Le casque est pas mal. Alors certes, on n'a pas de mobilité, mais on pourra le compenser avec les 4 autres pièces. Par contre, on a quand même 23 de résistance et 21 de force pour un total de 63. C'est plutôt pas trop mal. Et les bottes seront vraiment beaucoup trop basses. Hein. Donc je dirais les deux meilleures pièces, ça va être ces bras, même s'ils ne sont pas oufissimes. Et ce casque qui peut être pas mal pour compléter votre tenue. Et comme chaque week-end, bien sûr, on va finir par aller voir Adawan pour voir s'il y a des modes intéressants à nous fournir, d'autant plus que c'est dans les derniers jours avant la nouvelle saison, donc la saison 19, comme vous le savez. Et le temps d'arriver sur place, on voit ça ensemble. Donc voilà, nous sommes arrivés au spawn de l'annexe. Comme d'habitude, je vais laisser volontairement le chemin en entier pour les personnes qui débuteraient sur Destiny 2 et qui ne connaîtraient pas le chemin pour aller voir Adawan. Donc voilà, nous avons Adawan juste en face de nous. Rebonjour. Et au niveau des modes, on a donc le récupérateur de revolver hein, qui sera utilisé en PvE parce que de toute façon, comme vous voyez, il ne fonctionnera pas en PvP. On a la dextérité de lance-roquettes qui sera plus utilisée en PvP qu'en PvE, mais on peut également l'utiliser en PvE. On a surtout le très bon mode de rage de l'esprit tutélaire. Alors là, pour pouvoir créer des cellules d'esprit tutélaire, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Et éventuellement, ça pourrait servir pour la saison prochaine, la saison 19, hein, où on devrait avoir l'esprit tutélaire qui devrait revenir. Donc ne le manquez surtout pas. Et enfin, on a le très bon mode artillerie d'argent qui s'utilise sur votre objet de classe, bien sûr. Et là, vous pouvez avoir quelque chose de tout à fait correct. Je dirais que ces deux modes-là sont vraiment à ne pas louper. Hein. C'est vraiment très intéressant et très important, je pense, pour la saison prochaine. Voilà, on va en finir pour cette petite revue de Xur. Où est-il en ce dernier week-end de la saison 18? Je ne vous cache pas que ça va être la pire vidéo que j'ai dû faire chez Xur. Sur Xur, pardon, parce que entre les erreurs Weasel et Centipede à répétition toutes les minutes, pour pouvoir tourner et finaliser cette vidéo, ça a été vraiment très sportif, d'autant plus que déjà je vais commencer avec pas mal de retard. Enfin voilà, je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, toutes les personnes qui ont pris le temps de la regarder. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de saison 18. Et sur ce, gardiennes et gardiens, je vous dis sayonara et prenez bien soin de Spectre.